Ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage. Et si l'atterrissage politique de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro Kingbaforé était plus surprenant que prévu, vous avez bien entendu, dans un pays où l'on aime voir ces héros passer du sommet à la vallée, les deux anciens ennemis Gbagbo et Soro pourraient bien nous réserver une surprise de taille. Alors, la question est, que mijote-t-il ensemble avant 2025, un rapprochement stratégique ou une alliance d'opportunités? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires politiques les plus fascinantes de la Côte d'Ivoire. Gbagbo et Soro, après des années de rupture et de rancœur, seraient-ils en train de préparer une alliance secrète? Restez bien avec nous car on va décortiquer cette rumeur qui fait déjà grand bruit dans les rues d'Abidjan et au-delà. Si vous aimez les révélations exclusives, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. On vous promet de belles analyses et des discussions passionnantes. C'est parti. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000 a pris des tournants aussi imprévisibles que dramatiques et les trajectoires de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro en sont l'exemple parfait. C'est une histoire de tchoukouya politique où l'on voit les mêmes hommes se battre, se réconcilier puis repartir en guerre pour finalement revenir à la table des négociations. Mais attention, dans ce tchoukouya, il y a des rancœurs, des trahisons et des moments de gloire. Gbagbo et Soro, eux, ont vécu cette aventure à fond. Au départ, Gbagbo et Soro, c'était un peu comme le duo de choc. On les voyait partout, c'est Soro, le bras droit de Gbagbo, l'homme de la situation. Soro, jeune, dynamique, et Gbagbo, l'ancien universitaire et leader charismatique, ensemble, ils paraissaient imbranlables. C'était une alliance politique solide, une sorte de mariage forcé, mais un mariage qui marchait du moins en apparence. Soro était le garçon de course de Gbagbo, le chef de la rébellion qui allait avec son mentor essayer de tenir tête à toute la machine Ouattara. Mais la politique, comme on dit chez nous, c'est un grand Pakwatoya, un jeu de dupes où il fait et où il faut savoir se jouer de ses alliés et surtout des inimitiés naissantes. Tout allait bien jusqu'à ce que la fameuse année de 2010 où les élections ont créé une scission inédite entre les deux, là Soro, qui était encore président de l'Assemblée nationale, se retrouve à soutenir Alassane Dramane Ouattara, l'homme qu'il avait combattu sur le terrain des armes quelques années auparavant. Voilà la rupture, nette et sans ambiguïté. La rébellion se transforme donc en reconnaissance des résultats électoraux. Soro, que l'on voyait dans les quartiers d'Abidjan avec Gbagbo, se retrouvait du côté de Ouattara après l'avoir dénoncé pendant toute la guerre. Les opposants, en tout cas ceux qui n'aiment pas ce genre de retournement de situation, ont crié au scandale. Pour beaucoup, c'était la trahison, un coup de poignard dans le dos de celui qui l'avait pourtant soutenu, nourri politiquement et pris sous son aile. Gbagbo, de son côté, reste fermement planté sur sa position, c'est la guerre ou la paix, il n'y a pas de compromis. Les conflits éclatent, le pays sombre dans une crise que l'on connaît si bien, encore aujourd'hui, comme la guerre de 2010 à 2011. Soro, quant à lui, dans son rôle de médiateur et de réconciliateur avec Ouattara, quitte le terrain pour s'exiler à l'étranger. Le même Soro qui, quelques années avant, était le doudou du pouvoir Gbagbo, la rupture a été totale à tel point que c'est ceux qui avaient un jour rêvé d'une Côte d'Ivoire unie se retrouvaient avec des ennemis politiques mais aussi personnels. Les années passent et les temps apaisent en quelque sorte les blessures politiques, mais pas totalement. En 2019, le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire après sa libération par la Cour pénale internationale marque le début d'une nouvelle ère. Le pays commence à respirer après des années de tensions, mais la question qui brûle les lèvres de tous les Ivoiriens reste. Et Guillaume Soro Kingbaforé, que devient-il dans cette histoire? La tension persiste, on attendait à son retour, mais au lieu de se précipiter pour saluer Gbagbo comme le ferait un homme politicien normal, Soro se fait attendre et préfère jouer ses cartes loin des projecteurs. Et c'est là qu'un mystère commence à se tordre dans les couloirs de la politique ivoirienne. Si Soro et Gbagbo sont aussi séparés comme Makwa et une cohésion sociale, qu'est-ce qui pourrait bien les réunir à nouveau? Ce n'est ni histoire de réconciliation cousue de fil blanc, ni un simple coup de communication, mais un retour à l'arène avec des intentions claires, la conquête de pouvoir coûte que coûte. Au fond, la politique est un univers où l'on ne fait pas toujours ce que l'on dit, mais ce que l'on doit faire pour arriver à ses fins.
Alors, quels secrets ces deux hommes ont-ils bien pu partager durant ces années de distanciation? Pourquoi maintenant, alors qu'ils semblent pouvoir tourner la page d'une guerre de tranches? La suite de cette histoire ne se dévoile pas par des petites touches, mais une chose est certaine, Ce rapprochement potentiel entre Gbagbo et Soro n'est ni un hasard, ni un acte d'affection. Il est bien plus stratégique et c'est là que l'on peut commencer à comprendre les contours de ce qui pourrait devenir une alliance aussi explosive que surprenante que cette dynamique secrète qui aujourd'hui relance la question essentielle que manigance ces deux hommes avant 2025. C'est ce que nous allons explorer à présent. Si un seul mot pouvait résumer les récentes révélations sur les liens entre Gbagbo et Soro, ce serait sans doute inattendu. Qui aurait cru qu'après toutes ces années de divorce politique, ces deux hommes se retrouveraient dans la même salle, la même stratégie et peut-être même les mêmes ambitions? Après tout, on connaît bien le dicton, la politique c'est comme le manioc, il faut savoir le cuisiner à plusieurs reprises avant d'en savourer toutes les saveurs. Mais là, franchement, cette cuisine politique semble un peu trop corsée pour certains qui auraient imaginé que Gbagbo, l'ancien leader de la rébellion contre le pouvoir d'Alassane Ouattara, et Soro, l'exilé et ancien président de l'Assemblée nationale, puissent se retrouver autour de la même table. Pour les Ivoiriens en tout cas, et encore moins ceux qui avaient pris des positions fermes dans cette histoire, revenons un peu en arrière, Gbagbo, libéré de la Cour pénale internationale, revient en Côte d'Ivoire comme un héros. Il prend son temps pour se réinstaller, parler à ses partisans et revoir ses anciens alliés. L'idée d'un retour à la scène politique est un peu comme un retour de gloire commence à germer dans les esprits. Mais dans l'ombre des rumeurs commencent à circuler, certaines voix affirment que Gbagbo, malgré ses déclarations publiques, ne serait pas contre un rapprochement discret avec Guillaume Soro Kingbafouré, ancien protégé, devenu ennemi juré. Imaginez la scène, deux hommes politiques, chacun avec une histoire aussi tumultueuse que l'histoire des indépendances africaines, se retrouvent donc dans des rencontres secrètes loin des caméras et des journalistes. En tout cas, à discrétion, ils échangeraient des idées de stratégie et peut-être même des promesses d'avenir. Mais attention, il ne s'agit pas ici de simples discussions autour d'un café comme des vieux amis. Non, ici, on parle de discussions de haut vol avec des enjeux lourds comme un sac de ciment. En effet, si ces deux hommes se réconcilient véritablement, c'est pour se donner une chance sérieuse dans la course à la présidentielle de 2025. À première vue, tout ça semble un peu tiré par les cheveux, non? Un peu comme cette histoire d'amitié improbable entre le lion et une gazelle. Mais dans le monde de la politique ivoirienne, les règles sont très différentes. C'est comme un match de football où l'on décide soudainement de changer d'équipe à la dernière minute. Après que tout le monde attendait un affrontement de plus, voilà qu'ils se retrouvent donc dans une alliance de circonstances. Alors, comme s'ils se disaient, il n'y a plus rien à perdre, allons-y pour 2025, la politique ça se fait en famille. On attend bien sûr que les voix sceptiques qui se demandent si ces rencontres secrètes sont réellement ou si elles ne relèvent que du fantasme des journalistes avides de sensationnel. Mais ce spécialiste de la politique ivoirienne, eux, ils voient autre chose. Ils parlent de stratégie d'alliance, de prise de pouvoir en coulisses et de calculs électoraux pour déstabiliser Ouattara et son RHDP. De notre côté, certains analystes ont été plus prudents, estimant que tout cela pourrait n'être qu'une manœuvre pour garder l'illusion d'une opposition forte. Parce qu'au fond, l'union entre ces deux poids lourds de la politique pourrait bien ne durer que le temps d'une élection avant que chacun ne reprenne son chemin. En tout cas, ces deux géants de la politique ivoirienne ont compris qu'à moins de s'unir pour créer une alternative crédible, ils risquent de se faire écraser par la machine bien huilée de Ouattara. Une alliance entre Gbagbo et Soro, c'est la promesse d'une nouvelle phase de la politique ivoirienne. Mais à quel prix? La question reste en suspens. Cette réconciliation serait-elle durable ou est-ce simplement une tactique pour faire pression avant 2025? Les partisans de Gbagbo et de Soro, eux, commencent à voir dans ce rapprochement un signe de renouveau. Mais on peut légitimement se demander si les plaies du passé sont vraiment cicatrisées. Est-ce vraiment possible de retourner la page après tant de blessures? Si oui, à quel prix? Là où les choses deviennent encore plus intrigantes, c'est lorsque l'on se demande quel est l'impact cet accord secret aura sur l'ensemble de l'opposition. Laurent Gbagbo et
Guillaume Soro peut-il vraiment bâtir un front uni face à Ouattara? Ou cette alliance, malgré les rumeurs et les rencontres secrètes, est-elle vouée à échouer comme toutes les alliances précédentes dans le pays? C'est ce qui nous amène à la question suivante. Si un tel rapprochement existe, quel impact sera cela aura-t-il réellement sur le pays et ses perspectives politiques à l'aube des élections de 2025? C'est là que l'on plonge dans les répercussions de ce qui pourrait devenir un tournant majeur pour la Côte d'Ivoire. L'impact de cette alliance potentielle sur l'avenir politique du pays n'est pas à prendre à la légère. Et c'est exactement ce que nous allons faire, analyser dans la prochaine partie de notre reportage. Si la politique ivoirienne était un film, alors Babou et Soro, ce seraient les deux héros à la fois improbables et incontournables. Mais qu'en est-il de l'issue de ce thriller politique qui se profile à l'horizon de 2025? L'impact de ce rapprochement entre les deux anciens ennemis pourrait bien être aussi surprenant qu'un match de football entre la Côte d'Ivoire et le Brésil, plein de rebondissements, d'espoir et de suspense. D'abord, imaginez un instant que cette alliance se concrétise. On pourrait bien assister à un nouveau front politique capable de bousculer les habitudes entre un Gbagbo qui se rêve en sage patriarche de l'opposition et un Soro qui, malgré les années d'exil, reste un ancien chef de guerre et une stratégie et stratège aguerri. Ces deux-là pourraient faire naître une dynamique de campagne électorale comme la Côte d'Ivoire n'en a jamais connue. Avec leurs bases respectives, cette alliance pourrait constituer un bloc solide capable de contester sérieusement la mainmise du RHDP sur le pays. Mais attendez, la réalité de la politique ivoirienne ne se limite pas à de simples rêves de grandeur. Ici, tout le monde sait que derrière chaque alliance, il y a des enjeux de pouvoir. Ce n'est pas un secret, les Ivoiriens connaissent bien ces histoires de déguerpissement et de grains de sel politique. Gbagbo et Soro, bien qu'ils aient un objectif commun de renverser la donne en 2025, savent très bien que l'union des forces pourrait rapidement rassembler une compétition pour le fauteuil présidentiel. En effet, chaque homme a son ambition, ses partisans et sa vision du pays. Gbagbo veut sûrement remettre les pendules à l'heure après son retour fracassant, tandis que Guillaume Soro, de son côté, pourrait bien voir cette alliance comme un tremplin pour reconquérir le pouvoir perdu. Dans le fond, cette alliance entre Gbagbo et Soro pourrait diviser autant qu'elle pourrait unir. Et oui, au pays de l'ivoirité, rien n'est jamais aussi simple. Des figures politiques comme Henri Conan Bédier ou Pascal Affingesson risquent de se retrouver sur la touche ainsi. Jusqu'à présent pensaient pouvoir mener l'opposition à la victoire. Un tel rapprochement entre deux poids lourds pourrait aussi faire naître des jalousies, des rivalités au sein de l'opposition, rendant ainsi l'issue de l'élection encore plus incertaine. En politique, l'unité est souvent une illusion fragile et même une alliance de cette envergure pourrait voler en éclats dès que les enjeux personnels et les ambitions de chacun commencent à déborder. En parallèle, certains observateurs plus cyniques mais lucides affirme que cette réconciliation ne peut être qu'une manœuvre tactique de Gbagbo et Soro pour reprendre de la crédibilité face à un pouvoir en place qui, selon eux, ne fait plus guère d'illusions. Si cette coalition devait voir le jour, elle serait d'abord une formidable machine à contestation, capable de remettre le pouvoir en question, mais une fois l'élection passée, que deviendra cette entente? Ce serait peut-être un peu comme un gâteau d'anniversaire que l'on partage le temps de l'événement, puis ensuite le laisser fondre au soleil les réalités de la politique. L'histoire nous a montré que souvent, derrière les grandes alliances, il y a des intérêts personnels et des stratégies qui ne durent pas. La vraie question reste, quel modèle de gouvernance ces deux hommes pourraient-ils se proposer de la Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire? Le pays serait-il prêt à accepter un retour de Gbagbo à la tête de l'État ou un Soro à la place? Et dans ce cas, à quoi ressemblerait leur gestion du pays après des années d'opposition? Gbagbo a ses partisans convaincus, mais aussi une partie de la population qui a vu ces dernières années de présidence comme une période de division et de conflit. Quant à Guillaume Soro Kimbafore, bien qu'il ait acquis une solide réputation de stratège, il n'est pas à l'abri des critiques et des accusations de trahison qui, pour certains, risquent de l'accompagner encore longtemps. En outre, il ne faut pas oublier que cette alliance, si elle se concrétise, aura un impact direct sur la politique économique et sociale de la Côte d'Ivoire.
Quelles réformes proposeront-ils pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Quelle place donneront-ils à la réconciliation nationale après toutes les blessures laissées par les événements des années précédentes? À l'heure actuelle, les Ivoiriens sont impatients de connaître les solutions concrètes de leurs leaders, mais ces derniers doivent d'abord réussir à se mettre d'accord sur un projet commun. Ce n'est pas gagné. En tout cas, une chose est certaine, le paysage politique ivoirien est sur le point de changer radicalement. Ce rapprochement inattendu entre Gbagbo et Soro pourrait tout bouleverser pour le meilleur ou pour le pire, mais avant de tirer des conclusions, il faut d'abord voir comment les choses évolueront dans les mois à venir. Une chose est sûre, ce n'est pas encore la fin de l'histoire et les Ivoiriens devront attendre 2025 pour découvrir les vraies conclusions de ce feuilleton politique. C'est justement cette incertitude qui amène à la question suivante. Et si cet accord entre Gbagbo et Soro n'était que le début d'une série de rebondissements politiques en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière cette alliance et quel autre acteur pourrait s'y joindre avant l'élection de 2025? C'est une nouvelle ère qui commence et ce n'est que nous allons explorer dans les prochaines parties. Les récentes révélations sur les liens entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro avant 2025 jettent une lumière nouvelle sur la politique ivoirienne. Tandis que certains y voient une manœuvre stratégique, d'autres y perçoivent un signe de fragilité au sein du pouvoir. Ce qui est certain, c'est que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre des mois décisifs où chaque mouvement politique sera scruté et où chaque alliance ou rupture pourrait avoir un impact majeur sur le futur du pays. Et vous, qu'en pensez-vous? Gbagbo et Soro peuvent-ils réellement unir leurs forces en 2025? Quelle sera la place de l'opposition face à une telle alliance? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de l'évolution de cette affaire et aimez cette vidéo pour soutenir un journalisme indépendant. Nous vous disons à très bientôt!